Bonjour, vous êtes le bienvenu dans notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler des cheveux, comment il faut se soigner, les soigner, comment ils se produisent à partir de la peau. Donc, les cheveux, ce sont une production du corps qui se passe au niveau de la peau, comme l'illustre cette image. La peau est constituée de plusieurs couches et la couche responsable de la production du poil, c'est l'épiderme. L'épiderme contient des cellules qui produisent des protéines et ces protéines qui forment le poil. Donc, mais aussi il y a le rôle d'une glande, la glande sébacée, qui donne l'apparence au poil et aux cheveux. C'est dans l'épiderme qu'on trouve les glandes sébacées et les cellules qui forment les cheveux. Les cheveux demandent plusieurs années avant de pousser à l'extérieur. Ainsi, les nutriments sont primordiaux pour un poil normal, très fort, pouvant avoir une durée de vie longue. Comme tous les organes, la peau nécessite des protéines et des vitamines, aussi bien des soins basés sur les bonnes manières de coiffure, des accessoires, pinceaux pour éviter les séchoirs chauds, des produits naturels afin de leur nettoyage des bactéries, parasites, poussières, etc. En outre, il faut éviter des produits chimiques pouvant altérer le mécanisme de la peau et les échanger par des huiles naturelles comme huile de noix de coco. Je vous remets le lien pour plus d'informations et merci.